Bon matin. Je serai avec José ce matin et c'est l'Expo Pure qui est en spécial pour la journée. Le prix est tout petit, c'est 34 $ au lieu de 42,50. C'est notre gommage indispensable de base à essayer. Vous allez voir circuler aussi, vous êtes abonné à ma lettre. Vous avez la démonstration là que je fais avec l'Expo Pure. Pour tout, pour stimuler le collagène, pour atténuer les rides, pour voir disparaître les taches fameuses pour ça. Quand on a sorti l'Expo Pure, il y avait des line-up devant nos maisons parce que c'est l'outil pour ça, pour les boutons, pour toutes les petites imperfections du visage, pour lisser la peau, évidemment pour l'exfolier aussi. Et on peut, avec l'Expo Pure, reproduire la microdermabrasion maison, donc à très peu de frais, là, parce que si votre peau est à 34 $ puis vous avez au moins 6-8 microdermabrasions, donc pour faire peau neuve, pour stimuler la peau, lifter la peau, lisser la peau. Et c'est pour tous les âges, donc c'est vraiment un outil indispensable chez Maison Jacinthe, donc à 34 $ aujourd'hui. J'attends que vous arriviez. Parce que j'ai une annonce importante à faire. Et hier, j'ai su là en fin de journée que on manque de conseillères. On a deux conseillères à Chicoutimi et elles prennent des vacances. Donc, si on n'a personne pour notre maison va fermer ses portes pendant les vacances. Moi, je peux pas parce que là. Marie-André, qui est notre directrice, ou Karine, qui s'occupe aussi de tout, qui chapeaute toutes les maisons, qui se proposait pour aller à Chicoutimi, c'est pas possible. C'est pas possible pour nous je veux dire, c'est trop, ça devient trop. Tu sais, à un moment donné, je veux bien, là, on est multitâche, puis on. Mais je peux pas les perdre. Bon matin, José! Bon matin. Comment vas-tu? Ça va super bien. Ça va bien? Oui, ça va. L'image est figée. Dites-moi si c'est OK, mais je ne sais pas si c'est de ton côté ou de mon côté. Souvent, c'est du mien. Donc, dites-moi si comment que ça se passe du côté de l'image. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah! Bon, c'est la fête de Lise. Bonne fête, Lise. Bon matin. Bonne fête, Lise. Oh, c'est très cool. Figé ici. Donc, est-ce que c'est figé de mon côté ou juste du côté de José? Dites-moi, s'il vous plaît. OK, sur celle de José. Parfait. Là, je pense que je comprends que José, tu es peut-être en vacances. Et donc, ça se peut que la réception ne soit pas bonne. On va l'attendre. Donc, si vous êtes du côté de Chicoutimi, si vous connaissez des gens à Chicoutimi, on cherche une conseillère ou des conseillères temps plein, temps partiel. Sinon, la maison risque de fermer. Je l'ai appris hier soir. Puis, tu sais, on peut pas, je veux dire, il n'y a rien à faire si on n'a personne pour être sur le plancher. On peut pas en inventer. On peut pas inventer un système. Donc, c'est important. Envoyez votre CV, votre lettre à Karine à commercialmaisonjacinthe.ca. Évidemment, du monde d'expérience, parce que ça nous prend quelqu'un de responsable. On a deux conseillères, mais qui prennent des vacances. Donc, on se retrouve avec personne. Et comme je vous disais au début du direct, tu sais, dans les autres maisons, on a plusieurs personnes et il y a une rotation. Mais là, si les deux personnes prennent des vacances en même temps, je veux dire... C'est fini pour nous, là. On ne peut pas faire des miracles. Donc, et moi, je ne peux pas envoyer Karine ou Marie-André. Donc, allô? Bonjour. C'est stressant, mais là, tout est beau, tout est beau. Et ça m'a permis de mentionner qu'on a besoin du monde à Chicoutimi, parce que sinon, la maison va fermer. Même à long terme, là, il y a comme des risques, parce qu'on ne peut pas... fermer, réouvrir. Donc, la maison de Chicoutimi, on a besoin de quelqu'un. Et, tu sais, je pense à Catherine. Tu sais, quelqu'un qui est à la retraite puis qui aimerait retravailler,
quelques jours par semaine ou bref, écrivez et j'espère, je me croise les doigts pour qu'on trouve quelqu'un aujourd'hui parce que j'enverrai pas des gens d'ici là-bas, là, ça se peut pas, là. Fait que sinon on risque de fermer la maison là-bas et c'est dommage, mais voilà. Alors, José, comment vas-tu? Ben moi, ça va très bien, toi? Ça va bien. Ouais. T'es où? T'es dans quel coin? Je suis en Val-d'Or, en Abitibi. Wow! Ouais, je suis quand même assez loin, hein? Merveilleux. Depuis longtemps? Pour les 2 prochaines semaines ou Oh non, non, ben là, je suis dans mon motorisé, mais je suis dans ma cour, je suis dans C'est vrai! Donc, t'es Oui. chez toi! Oh, très Oui. cool! Parce que je voulais être un petit peu tranquille. T'as bien fait. Donc, Oui. t'habites en Abitibi. Oui, je suis en Abitibi. Oui. Wow! Oui, Et c'est ça. tout se rend bien jusque chez vous par la poste. Oui, ça va super bien. Oui. Et tu nous connais depuis combien de temps? Moi, je vous ai connu en 2022. En février 2022, j'ai fait ma première commande. Puis ça faisait quand même un petit bout là, que tu sais, j'utilisais des huiles essentielles. Puis, tu sais, je faisais beaucoup de recherches là-dessus. Puis, des fois, notre Facebook est un petit peu bavard, hein, fait qu'il voit nos recherches. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme vu un live de Maison Jacinthe. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser à votre compagnie. Fait que j'ai commencé un petit peu comme ça. Puis les premiers produits que j'ai achetés, moi, c'était le collagène. C'était plus comme, mettons, j'avais un genou qui craquait, là. Fait que ça, je me suis dit, bah, ça va aider. Puis finalement, ben, tu sais, j'ai pas eu juste bienfait là pour le collagène. La première chose que je me suis rendu compte, c'est que j'avais les jambes vraiment sèches, moi, un peu comme de la peau de crocodile, mais on voyait quasiment les écailles, là. Puis finalement, ben, tu sais, ma peau est devenue plus belle, puis mes cheveux sont devenus plus beaux aussi. Fait que de fil en aiguille, ben, j'ai une amie qui utilisait les produits aussi. Je sais pas si elle est là le matin, là, c'est Sophie. Puis, OK, ça, parce que non, il y a Sandra qui est là. Là, oui, malheureusement. ben, Sandra, c'est ma collègue de travail. Donc, toi, tu as fait découvrir à Sandra les formules, puis toi, c'est Oui. Sophie qui t'a fait découvrir les formules. Ben, j'avais vu un peu vos choses, puis là, j'en avais parlé à Sophie, puis Sophie, elle utilisait vos produits. Fait que, elle est arrivée chez nous un après-midi, puis elle avait ses petits produits. Fait qu'on s'est fait un petit masque, puis j'ai commencé à utiliser ces produits-là. Ben, en fait, la fête des mères est arrivée pas longtemps après. Puis là, j'ai décidé que je me gâtais. Puis en plus, on avait le gourmandise de mai, en plus, avec la commande. Fait que je m'étais acheté l'huile nettoyante, je m'étais acheté un eau florale, j'avais du gel d'aloise. Puis avec ça, ben, j'ai commencé. Ah, José, on t'a perdu Ah! C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. On reprendra là. Des fois, on va être tranquille, mais c'est trop tranquille. Et je comprends parce que j'ai souvent une mauvaise connexion. Bon, bref, en attendant, José, tu sais, c'est l'ex-faux-pur, oui, José figé. Je le vois. C'est ex-faux-pur qui est en spécial aujourd'hui. Et ex-faux-pur, c'est notre exfoliant vedette. C'est l'exfoliant de base que tout le monde peut utiliser, jeune, moins jeune, sur les boutons, là. Tu sais, parce qu'il faut pas irriter la peau quand on a des boutons, mais on peut le déposer en masque. Et l'ex-faux-pur vient vidanger les pores. Donc, l'excès de sébum, c'est merveilleux. Puis après ça, on essuie tout doucement. Mais toutes les petites irrégularités ou les imperfections qu'on a sur la peau, on gomme et ça part avec. Granulium, on a plusieurs témoignages. Les taches, on va toujours mettre l'ex-faux-pur à tous les jours sur la tache. Puis vous allez voir que la tache va s'atténuer, te changer de place. J'ai changé de place. J'ai pris mon cellulaire pour peut-être aller mieux aussi. Donc, tu es rendu au point où tu disais que c'était la fête des mères, tu as voulu te gâter, puis vous receviez le gourmandise de mai. Donc, ça, c'est en 2020. Oui.
Oui, puis le gourmandise de mai, ben là, je peux plus m'en passer. Moi, ça a devenu mon parfum. Là, tous les matins, je mets ça sur mon linge, là, puis ça sent bon. Et ça rend heureux. Oui. Il y a comme deux trucs qui se passent en parallèle. Trois, c'est la fête de Lise et il y a l'Expo Pure qui est notre ingrédient vedette. Et comme je disais, on cherche des personnes à Chicoutimi. Oui, Christine est extraordinaire, Audrey aussi, mais elles prennent des vacances. Et là, si on n'a personne pour rassurer, ben on va fermer les portes. Et donc, ça devient un problème là, si on a juste deux personnes et que les deux prennent des vacances en même temps. Donc, et c'est pour ça qu'on cherche une ou des conseillères qui voudraient travailler à temps partiel, à temps plein, à Chicoutimi. Donc, voilà, envoyez votre CV à Karine à commercialmaisonjacinthe.ca. Parce que sinon, la maison les portes vont être fermées. Et même à long terme, là, ça peut poser un problème. Parce que nous, pour nous, si on ne peut pas assurer un horaire régulier, ben, ça devient très, très difficile aussi. Donc, oui, Expo Pure est merveilleux pour les tâches. Et toi, tu avais une petite boule, je ne sais pas comment. Oui, dans le fond, en vrai, là, c'est comme un petit morceau de peau qui fait comme s'accumuler, si on veut, là. Puis en prenant l'Expo Pure, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis plusieurs fois en frottant. Puis finalement, ça a comme pas tout à fait disparu parce que je le sens encore quand je le touche, là. Mais ça paraît plus vraiment à l'œil non plus, là. Fait que ça fait disparaître les imperfections. Et l'Expo Pure, vous pouvez aussi le porter sous les yeux, donc en masque le matin. Vous allez voir, il y a comme un effet sur les liquides, tu sais, où ça va permettre la circulation. Il y a un effet purifiant avec les huiles essentielles et il y a un effet de gommage avec la poussière de roche volcanique. C'est grandiose tout ce qu'on peut faire. Je vous l'ai énuméré dans la description, puis vous avez une vidéo sur le site où je le fais et avec Nathalie. Nathalie a créé l'Expo Pure suite à une microdermabrasion où on lui avait brûlé la peau, donc dans une clinique, et elle a décidé de faire son outil pour recréer à la maison l'Expo Pure, donc la microdermabrasion. Il suffit de répéter trois fois de suite le gommage avec l'Expo Pure pour avoir les résultats de la microdermabrasion. Vous allez voir au niveau du lift du visage, du collagène qui est stimulé, régénéré, et les rides qui s'atténuent, et c'est vraiment frappant. Vous le faites trois soirs de suite, là, vous allez voir que les rides là se floutent. Puis moi, j'aime bien le matin. Tous les matins, le mettre, surtout quand il fait chaud, là, dans de l'huile nettoyante, mettre une noisette d'Expo Pure, puis de nettoyer pour stimuler aussi en même temps la peau et lancer la régénération de lift. Donc, c'est un outil extraordinaire à 34 $. Il n'y a personne qui peut se tromper. Et oui, son odeur est incroyable. C'est comme c'est une odeur spa et ça rassure. Ça fait frais. Fait frais. Et pour les petits nez, là, je suis Oui. fatiguée avec ça, mais tu sais, les points noirs, on le dépose juste en masque sur le nez. On attend 2, 3 minutes. Puis après ça, on le gomme et tout part. Ça fait des beaux petits nez propres, tout doux, là. Tu sais, c'est vraiment merveilleux. Pour les graines Puis moi, je d'Évian. le sens quand je suis due pour le mettre, le masque. Parce que quand je me nettoie la peau, là, on dirait qu'on sent qu'il y a comme une petite couche de peau qui s'accumule. Puis quand on a refait l'Expo Pure, là, ça devient bien, bien doux, là. Puis C'est on sent que c'est frais puis nettoyé. Oui. Et pour le sous les yeux, on fait juste le déposer. Sous les yeux, comme ça. Puis après ça, on le laisse agir parce qu'il y a un mélange, tu sais, d'huile essentielle. Donc, on laisse agir 30 secondes, 1 minute, puis après ça, on le retire délicatement. Vraiment parce que la peau sous les yeux, elle est plus fragile, sensible, délicate. Donc, on fait juste gommer comme ceci. Et c'est tout. Donc, oui. Combien de fois par semaine pour enlever les grains de millium? Moi, j'ai jamais eu de grains de millium, mais ce que tu as, ça ressemble un peu à ça. Les grains de millium, tu sais, c'est de la peau aussi, puis ça vient souvent d'une déshydratation de la peau. C'est bon de savoir pourquoi. Et les gens, des fois, c'est dès la première fois. Mais quand on a quelque chose qui nous embête, on va mettre l'Expo Pure à tous les matins. On peut le mettre localement, à quelque part, puis on frotte. On laisse agir un peu, puis on frotte. Quand on laisse agir, là, 30 secondes, puis après ça, on frotte.
les taches qui sont à la surface ont une racine, donc les taches vont remonter. La racine va remonter à la surface, donc on gomme à tous les jours, puis à un moment donné, ça disparaît. Voilà. Et Lise est contente parce que, à qui c'est sa fête aujourd'hui, elle pense à l'ex-faux-cœur hier soir, puis elle est contente que ça soit ce matin le spécial ex-faux-cœur. Donc voilà. Et pour les peaux mortes aussi, c'est merveilleux. Donc toi, rituel beauté à la fête des mères, puis tu étais avec nous depuis ce temps-là. Oui, puis j'ai vraiment beaucoup de produits. Au début, c'est sûr, j'ai commencé un petit peu plus mollo, là, mais aujourd'hui, je pense que j'ai du maison jacinthe un petit peu dans toutes les pièces, Tes incontournables, c'est quoi? Ben, moi, la mélatonine, je l'aime bien. Parce que j'ai pas de misère à m'endormir, là, vraiment, là, le soir, là, je tombe un petit peu comme une bûche, là, puis des fois, là, je viens juste de me coucher, puis je commence déjà à faire des sauts, puis là, mon chum me dit, tu dors-tu déjà? Oui, je dors déjà, là. Mais souvent, je vais me réveiller comme à 2-3 heures la nuit, puis là, j'ai comme le stress du matin de me dire, hey, il faut pas que je passe droit. Moi, je sais pas pourquoi, là, mais ça a tout le temps été comme ça, j'étais à l'école, puis j'avais tout le temps peur de passer droit. Puis là, je me dis, bon, ben là, tu sais, il est comme rendu 3 heures du matin, j'ai presque plus de temps pour dormir. Puis là, tu sais, le hamster, il embarque. Puis là, je suis pas capable de me rendormir. Fait que là, ce que je fais, c'est que je prends la mélatonine à ce moment-là. Ah C'est sûr que ben. passer 3 heures du matin, là, j'ose pas trop la prendre parce que je veux pas, je veux être capable de me réveiller le matin, là. Mais sinon, c'est ça. Je la prends à 2-3 heures du matin, puis une demi-heure après, je suis repartie. Ah, c'est. Ouais. Moi, Oui, excusez. j'ai pas de problème. J'ai pas besoin non plus d'outils pour m'endormir, mais je la prends comme entière. J'ai ravi du spécial ce matin de dire Sonia. On a des témoignages époustouflants, là, et puis vraiment pour tout le monde, là, les ados, tu sais, ou les petits, ceux qui commencent à avoir des points noirs pour les taches, pour les. Vous allez voir, sous les yeux, c'est un beau masque réveil matin, là. Puis, tu sais, simplement le gommage, là, c'est à ravir, là. Puis, combien de temps tu peux faire avec un pot? Bon, facilement un an. Donc, tu sais. En fait, tous les produits sont économiques. Moi, j'ai le shampoing ici, puis le revitalisant, j'en avais acheté un l'été passé quand il est tombé en promo. Puis je ne l'ai même pas commencé encore. Là, j'achève mon pot de l'année passée. Puis là, je vais commencer le nouveau pot. Mais tu sais, ce qui arrive aussi, c'est qu'avant, tu sais, je mettais une motte de shampoing, puis une motte aussi de revitalisant, tu sais, parce que j'en avais vraiment besoin de beaucoup. Puis au début, tu sais, j'étais un petit peu habituée à ces quantités-là. On entendait dire qu'on n'en prend pas beaucoup, mais tu sais, pas beaucoup pour moi, c'était déjà trop. Fait que au début, je m'étais rendu compte que j'avais les cheveux comme un petit peu plus gras, mais je me suis rendu compte que finalement, c'est parce que je mettais trop de revitalisant. Fait que c'est vraiment, c'est une petite noisette, là. Tu en mets juste un petit peu, puis. Juste, puis j'ai les cheveux longs, le noisette, puis ça fait toute la longueur, puis j'en mets après ça juste un petit peu ici, là, mais c'est vraiment fantastique. Bonne fête, bonne fête. OK. Je vais juste lire le témoignage de José qui dit, pour l'eczéma de sa fille avec le karité solaire, en une semaine, c'est juste incroyable la différence. Elle ne se réveille plus la nuit pour se gratter. Merveilleux, je comprends. Parce que le karité solaire est à base ben, c'est notre karité vanillée. Puis oui, le karité vanillée a soigné mon eczéma à moi. Le zinc a aussi comme des bienfaits au niveau des peaux irritées, on sait, pour par exemple des érythèmes fessiers. On a aussi le baume apaisant et protecteur qui est lui homologué pour l'eczéma. Mais je comprends qu'il peut y avoir un effet avec le karité solaire et tant mieux. France demande, José, quand tu prends à 3 heures du matin, tu te réveilles à quelle heure après? Moi, je me réveille à 6 h 15 le matin. Fait que dans le fond, c'est sûr que quand je me réveille, je le sens que j'ai encore un petit peu l'effet, là, mais ça part vite, là. OK. Et bon, pour les taches brunes sur les jambes, oui, Nathalie avait parlé de l'exfoliation sur les taches. Elle a fait la même chose sur les taches. N'hésitez pas aussi pour les taches avec le duo éclaircissant, là, parce que. Mais je me souviens, Nathalie avait fait tout le travail avec l'Exopure sur ses jambes, là, puis elle avait eu une belle différence sur les mains aussi. Les taches, encore une fois, l'Exopure, quand on l'a sorti, il y avait des files d'attente.
parce que les femmes avaient trouvé leur solution pour toutes les tâches. Donc, non, on peut utiliser l'ExfoPure en été. C'est le Clary Pro qu'on ne peut pas utiliser en été. Le Clary Pro qui est spécifique aux tâches, on ne l'utilise pas en été. Quand on fait une exfoliation ou un gommage, on le fait jamais le matin en été, mais peu importe avec quel produit peu importe le produit que vous utilisez, parce que on fragilise la peau lorsqu'on fait un gommage, donc on le fait le soir, mais il n'y a aucun problème d'utiliser l'ExfoPure le soir. Aucun. Voilà. Je regardais s'il y avait d'autres questions. C'est pas mal merveilleux. Je suis très contente. Je suis très contente du spécial aujourd'hui. Je pense, en tout cas, s'il était pas arrivé, puis c'est un des, tu sais, il y a des incontournables chez Maison Jacinthe. L'ExfoPure, c'en est vraiment un, parce que je me souviens au début de la COVID. C'était-tu l'année 1 ou l'année 2, mais je faisais la dermabrasion avec vous, je l'avais faite avec Nathalie, puis à un moment donné, je l'avais fait avec vous. Et à tous les soirs, je faisais, donc justement parce qu'on était en été, je faisais 3 fois de suite la micro, donc l'ExfoPure, appliquer l'ExfoPure, gommer, appliquer l'ExfoPure, gommer 3 fois de suite. Et au troisième soir, je ne voyais plus mes rides. Donc, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine de l'essayer. Pour les varices, on n'a rien. Donc, voilà. Et on peut, Marie-Jeanne pose la question, elle dit, l'ExfoPure, est-ce qu'on le mélange avec l'huile? On peut faire les deux. Donc, je me souviens justement, parce que je vous parlais de Chicoutimi, d'une femme extraordinaire, je me souviens plus de son nom. Mais à tous les dimanches, elle fait la microdermabrasion, puis elle n'en revenait pas. C'était son chouchou. C'est de la première qui nous a parlé de l'ExfoPure dans le projet d'été. Puis on l'avait faite avec elle, justement, puis elle nous guidait dans sa dermabrasion qu'elle fait. Et parce que le résultat sur les rides est extraordinaire et sur le lift, le tonus du visage, parce qu'en exfoliant, on stimule la régénération. On travaille la peau, puis la peau se réveille, puis vient vraiment se mouvoir puis accélérer la régénération. Donc, on se retrouve avec une peau liftée. Donc, elle, c'était systématique. À tous les dimanches, elle faisait ça. Puis, faire l'ExfoPure au complet, là, c'est à peu près peut-être, tu sais, 40 minutes. Quand on fait la dermabrasion, on nettoie la peau, on applique l'ExfoPure, puis on attend, puis on gomme et on reprend. Donc, ça, l'ExfoPure s'applique seul pour faire la microdermabrasion. Mais si on veut l'utiliser, on appelle ça le masque coup d'éclat, là, le matin, ou un nettoyage coup d'éclat. Je mets mon huile, donc ça peut être l'huile nettoyante ou l'huile de jojoba, une noisette d'ExfoPure, je mélange, j'applique sur le visage, je gomme, on sent un peu, mais en même temps, c'est plus doux parce qu'il y a de l'huile, mais la peau, elle est liftée. Elle est réveillée, puis elle se tient bien, puis les rides et toutes les imperfections sont atténuées aussi. Donc ça, on peut le faire à tous les matins sans problème. Parce qu'il y a l'huile pour protéger la peau aussi dans ça. Et oui, ça resserre les pores de peau. Excuse-moi, Josée, je vois toutes les... Oui, C'est correct. parce que pour avoir des pores resserrés, il faut que les pores soient vidangés. Si nos pores sont remplis de sébum, donc, elle reste ouverte. Un autre truc qui fait en sorte que les pores sont dilatés, c'est quand la peau se relâche, donc avec l'âge. Donc, en stimulant la régénération et le lift, on resserre les pores et en vidangeant les pores, parce que l'ExfoPure, c'est un mélange d'argile qui vidange les pores de sébum. Donc, ça attire. Et ça va faire le ménage en même temps, et c'est pour ça que les points noirs disparaissent. C'est un mélange de poussière de roche volcanique pour venir gommer la peau et des huiles essentielles purifiantes, extraordinaires, et qui sentent le ciel. Donc, oui, les pores se resserrent avec l'ExfoPure aussi. Oui, vous pouvez avoir le lien, je ne sais pas si quelqu'un peut le donner, mais moi, j'ai envoyé une lettre ce matin et il y a le vidéo explicatif aussi dans ça. Là, j'ai pas vu, Caroline, ce que la question t'a posée.
Exfo pur le soir, mais en petite quantité sous les yeux le matin pour les poches, oui, absolument. Ce qu'on ne veut pas, parce que pour les poches, on vient pas gommer la peau. Donc oui, on peut mettre l'exfo pur sous les yeux. Pour les poches, on a des témoignages. Puis après ça, vraiment révélateur. Puis après ça, on retire. On vient pas exfolier la peau quand on fait ça. On utilise l'exfo pur en pâte qui va venir avoir un effet sur les liquides sous les yeux. Donc, l'idée, quand on va au soleil dans la journée, c'est de ne pas gommer la peau avant. On peut la gommer le soir, mais pas le matin avant une exposition au soleil. José dit l'exfo pur mélangé avec de l'huile de jojoba pour une peau d'ado, avec un début de bouton, c'est merveilleux. Oui, et c'est frais et c'est agréable. Merci pour ce soin exceptionnel. Oui, la dermabrasion se fait tout en douceur avec l'exfo pur. Oui, absolument. L'exfo pur avant le maquillage, c'est magique. Oui, la peau est vraiment lisse avec l'exfo pur, ça va de soi. Et Lynn a donné le lien vers, j'imagine, la dermabrasion. Merci beaucoup pour la lettre. Je viens de la recevoir pendant le direct, toujours très appréciée. Bon, et dans la lettre, vous avez aussi le vidéo. Alors, voici. Et merci, José. Merci, merci. Je suis désolée. Des fois, je me sens mal de répondre aux questions, mais quand il y a des Mais restrictions, non. OK. Je veux pas vous enlever la parole, mais je me sens toujours un peu prise par les deux. Bon, C'est le. parfait pour les personnes un peu gênées, là, comme moi, là. S'en sert, ok, oui, mon Anthony s'en sert pour les boutons, absolument. Pour les boutons, les points noirs, les ados, merveilleux pour le front. Et pour nous, la ride du lion, on peut juste le mettre ici le matin, puis on gomme. Puis vous allez voir, là, les rides se floutent. Et comme on régénère la peau, il y a vraiment comme, on accélère l'apparition des nouveaux tissus. C'est vraiment fantastique. Vous allez voir comme anti-âge, le faites-le. T'sais, si vous allez dans les maisons aujourd'hui, vous le faites aujourd'hui, demain, après-demain, vous allez voir la peau est changée. Donc, on peut le faire pour se donner un boost, un coup d'éclat, vraiment un changement là, sans intervention chirurgicale. On peut faire ça 3 soirs de suite. Après ça, une fois par semaine pour l'entretien ou une fois par mois, ou, comme vous le voulez, là. Justement, mon Moi, je pays. le fais une fois par semaine. Une fois? Oui, une fois par semaine que je le fais. Ben, pas la dermabrasion, mais juste me faire un masque, là, puis nettoyer, là. Et je vais comme peler, là, tu sais, on fait juste faire. Et c'est C'est tellement. sûr que là, pour mon petit point, là, j'allais plus gratter la peau, si on veut, là. Et merci, Lynn donne le vidéo maintenant pour la dermabrasion. Ben, sous les yeux, quel que soit le produit, quelle que soit la marque, sous les yeux, on fait toujours attention parce que la peau, elle est très, très fine. Donc, on applique. Puis après ça, on fait juste gommer, là, tout simplement. Vous allez le voir dans la vidéo que Lynn vient de vous partager. On y va comme ça, on plume, comme dit Nathalie. Et Nathalie arrive à des résultats extraordinaires lorsque, par exemple, je reçois l'exfo pur d'elle. Elle va me faire l'exfo pur, là, ça fait très longtemps, là, mais quand elle me le faisait, c'est doux, 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 doux. Pas besoin de frotter la peau. Moi, j'y vais plus fort, mais elle, là, elle y va avec une douceur. Puis ses résultats sont extraordinaires. Donc, vraiment. Et elle le fait à tous les jours. Parce que Ah je dis, Nathalie, je dis, qu'est-ce qui se passe? Avec ton visage, tu sais, c'était. Des fois, on se pose des questions. On se dit, voyons, y a-tu. Ça se peut pas, tu sais, y a-tu quelque chose? Et c'est elle, c'est tous les jours. Quand, puis elle nous le disait, avant de venir en direct, là, souvent, elle se rentrait dedans, là, tu sais, avec. L'exfo pur, c'est un outil de jeunesse. Pour nous, mais pour nos enfants et nos ados, vous allez voir, les petits nez, là, on l'applique sur le nez, on attend 30 secondes, le temps que l'argile vidange les pores, puis après ça, on fait ça comme ça, là. Le nez devient doux, 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 puis il n'y a plus de points noirs, c'est vraiment fantastique. Je n'utilise que ça. OK. À tous les matins dans la douche avec l'huile nettoyante, oui, absolument.
Et pour le ramassage en magasin, ce que vous faites, c'est France, je pense que oui. Vous achetez le produit sur le site. Donc, je vous ai donné le lien vers la promotion. N'oubliez pas que la crème callosité est revenue hier. Vous achetez l'Expo Pure et c'est à la fin de la transaction que vous avez l'option ramassage en magasin. Donc, et là, les conseillères préparent votre sac et tout ça. Et oui, tous les matins. Déjà une petite commande là, à Sainte-Thérèse. On fait mettre nos choses de côté, puis je vais passer au mois d'août, fait que je vais aller ramasser les affaires en même temps. OK, fait que tu pars d'Abitibi, tu vas jusqu'à Sainte-Thérèse. Oui. Eh Oui, puis mes vacances cette année, ils sont en même temps que la foire, fait que je me suis pris des billets pour la foire. bien. Très cool. Oh, c'est pas mal le fun, merveilleux. Nathalie fait tous les jours une fois. Quand on le fait tous les jours, là, une fois, c'est suffisant. Quand on veut faire la microdermabrasion, c'est-à-dire vraiment retirer la couche externe de notre peau, là, tu sais. Donc, ça, c'est une fois par semaine. Ou si c'est la première fois qu'on le fait, on peut le faire 3 soirs de suite pour vraiment avoir un coup d'éclat exceptionnel et un visage lifté, des rides atténuées. Après ça, tu sais, le 3 fois, bon, la microdermabrasion, c'est de faire l'Expo Pure 3 fois de suite. On peut le faire une fois par semaine. On peut le faire une fois, c'est pour se faire un coup de jeunesse, là, 3 soirs de suite. Mais pas à toutes les semaines. Une fois. Si on le fait. Et Nathalie, elle, travaille ses rides à tous les jours. À tous les jours, et c'est épatant. Vraiment, là, faudrait que je l'invite à venir faire un direct avec moi. Vraiment, On va prendre l'exemple. Elle a vraiment une vraie belle peau. je suis à chaque fois que je la vois, je dis, voyons qu'est-ce qui se passe. Elle a et qu'est-ce que tu as qui t'attend à Sainte-Thérèse? Tu le sais-tu? J'ai de la mélatonine. J'avais la synergie rétablie. J'avais une pas pire petite liste là. J'avais trois, quatre produits certains. Là. Puis là, je vais peut-être avoir l'Expo Pure aujourd'hui parce que dans le fond, on s'est créé un groupe pour les personnes de Val d'Or. Fait quand on veut juste comme un produit, ben là, des fois, on se met trois, quatre ensemble, puis là, on fait venir, il y a quelqu'un qui passe la commande, puis on se repasse ça quand ça arrive. Puis sinon, ben, s'il y a juste une personne qui veut l'avoir, bon, on le fait mettre en maison, puis quand quelqu'un passe, on ramasse les commandes. Quelle bonne idée. Là, c'est bravo, bravo de faire ça. Ça me plaît énormément. Donc, et non, Nathalie, le mélange, elle le fait seule. Elle se rend dedans. Donc, l'Expo Pure est un incontournable. Oui, on peut faire l'Expo Pure, donc, et faire une dermabrasion, puis après ça, mettre un masque pour accentuer les résultats. Donc, Ginette, elle dit l'Expo Pure suivi du masque miel. Mais sinon, oui, comme dit Isa, l'Expo Pure rend la peau douce, douce, douce. Et oui, Caroline dit bravo, c'est plus écolo en plus, tu sais, votre façon de faire à Val d'Or, là. Oui. Votre groupe, on le trouve où? S'il y a quelqu'un en Abitibi qui a envie de se joindre à vous? Ben, c'est un groupe Messenger qu'on s'est créé entre nous autres parce qu'on se connaissait nous autres, là. Mais sinon, s'il y en a d'autres qui veulent. Mon nom, il est sur Messenger, là, José Labbé. Fait qu'ils peuvent m'envoyer un Messenger. On peut les embarquer dans le groupe pour les commandes. Là. Merveilleux. Fait qu'on essaye de changer de personne un peu à chaque fois. Là. Fait que ça permet aux autres de ramasser les points aussi. Ah ben oui, c'est bon. Mmh. Très cool. Et oui, c'est une belle façon. Et oui, tout le monde devrait essayer l'Expo Pure. Tu sais, c'est une façon de stimuler la peau, mais en la respectant et d'éliminer toutes les imperfections et de se sentir bien, parce que c'est très, très, très agréable à faire et ça sent le spa. Et autant pour les jeunes qui commencent à avoir des points noirs, des boutons, tu sais, autour du nez, la zone T, on pourrait l'appliquer juste ici, on gomme. Vous allez voir, c'est magique. Et pour nous, c'est un outil anti-âge merveilleux. Et merci pour les bons mots, Lise, et bonne fête, Lise. Et je le répète une dernière fois. Donc oui, Expo Pure est à 34 $ pour la journée. C'est donné. L'Expo Pure, c'est long à faire. Tu sais, je vous dis ça des fois avec le karité. L'Expo Pure,
Et juste pour l'embouteiller, le mettre en pot, pas en bouteille, mais en pot, l'empoter, c'est quelque chose, c'est parce que c'est dur, puis il faut que ça tombe, fait qu'on cogne chaque pot. En tout cas, c'est tout un ouvrage, c'est, donc ce prix-là, c'est vraiment un immense cadeau. Oui, et ça serait le fun de voir Nathalie. Je vais y penser. On se voit tous les jours. Donc oui, mais je vais penser peut-être l'inviter pour un direct. Et je le répète à Chicoutimi, si vous voulez conserver votre maison, passez le mot. Et même, tu sais, allez, des conseillères qui travaillent, tu sais, dans le milieu des cosmétiques, on cherche quelqu'un et c'est chouette de travailler chez nous. Et cette maison, c'est un palais en plus à Chicoutimi. C'est tellement une belle maison. Et notre univers est merveilleux et notre clientèle est aussi fantastique. Donc, mais si on n'a personne pour Chicoutimi, la maison risque de fermer. Donc, c'est vraiment nous, on s'est dit hier, ben là, parce qu'on peut pas toujours courir. Puis tu sais, ça devient exténuant. Et on a deux conseillères, mais elles prennent des vacances en même temps. Donc, on peut pas nous inventer quoi que ce soit, là, tu sais, je veux dire, et je peux pas demander à quelqu'un de partir de Montréal pour aller faire 2 semaines là-bas non plus. Donc, je le répète, passez le mot, s'il vous plaît, à si vous connaissez des gens à Chicoutimi, et que ça peut être temps partiel, ça peut être temps plein, mais on a besoin de quelqu'un de qualité, d'expérience. Là, c'est pas, on s'improvise pas conseillère, là. Ça nous prend quelqu'un d'expérience. Et si vous connaissez nos produits, tant mieux. Mais c'est un charme travailler chez nous. En même temps, ça prend quelqu'un de responsable et d'organisé. Voilà. Assez doux, surtout si vous attendez. Oui, la peau devient douce, douce, mais on laissez agir un peu l'Exo Pur, oui, pour bien nettoyer la peau. Puis après ça, on gomme tout doux. C'est Isabelle qui ajoute ça. Et oui, la maison est magnifique. Donc, à Chicoutimi, c'est comme un cri, tu sais, un appel, là. Écrivez à Karine, commercialmaisonjacinthe.ca. Voilà. Je voulais rajouter aussi que l'alimentation, ça aide vraiment pour beaucoup aussi. Parce que moi, j'avais commencé à avoir des chaleurs nocturnes la nuit. Puis j'ai décidé que je coupais le sucre. Puis un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais plus de chaleur. Puis j'avais coupé le sucre pas nécessairement pour ça. Là, j'avais décidé que, je sais pas, c'était ça que je voulais faire. Puis là, j'ai réalisé, hein, c'est vrai, j'ai plus de chaleur. Puis là, je n'avais parlé à mon médecin. Puis là, j'ai dit, ça se peut-tu que tu sais, le sucre va faire qu'on a des chaleurs nocturnes la nuit? Ben, elle dit, ben oui, puis elle dit, le café aussi, elle dit, ça peut jouer là-dedans. Fait que finalement, ben, tu sais, ça continue comme ça, mais mon père, il vient souper, puis là, je décide que je fais une tarte au sucre, puis on se gâte. Puis prends un café, puis le soir même, j'ai eu des chaleurs. Fait que là, ça peut prouver que dans le fond, l'alimentation, c'est la base aussi. Oui. De tout, là. Bravo, bravo, bravo. J'aime ça comme. C'est bien d'y penser, mais. Et le sucre, c'est un mal, tu sais, même pour la tête et tout, là, tu sais. Fait qu'absolument. Il y a quelqu'un qui a des chaleurs qui nous a écrit hier. Elle avait le splash chaleur rafraîchie. Elle n'en revenait pas parce qu'elle s'est réveillée en pleine nuit. C'est vraiment inconfortable par rapport à ses chaleurs. Puis elle a vaporisé du splash, elle s'est dit, je vais l'essayer, et ça a passé. Donc, mais le sucre, c'est sûr, on coupe au maximum là, le sucre. Et Oui. les glucides ne sont pas nécessairement sucrés. Donc, les sucres, glucides, et les glucides se retrouvent dans les pâtes, les céréales, les pains, Oui. tout ce qu'on a l'habitude de manger finalement. Donc, oui, il faut essayer et. Oui, ça peut donner des maux de tête, des migraines et tout ça, puis il faut pas oublier de prendre du sel et du bon sel. Le sucre, c'est un poison, oui, absolument. Et ça ne va pas quand on est en changement hormonal, c'est certain. Non. Le sucre, c'est la racine là, de tellement de problèmes de santé, on est d'accord, absolument. pense que Merci. c'est comme une drogue, hein? C'est aussi pire qu'une drogue. Absolument, mais on peut remplacer. Moi, j'ai, t'sais, Oui. remplacer, par exemple, par du cacao, un shake ou une, Oui, t'sais, ben moi je prends le shake maintenant le matin. Puis moi, j'étais quelqu'un que le soir, là, quand ma journée était finie, puis que les enfants étaient couchés,
je partais, puis j'allais me chercher un café en ville, puis là, je revenais à la maison, puis là, c'était comme mon moment de la journée, là, tu sais. Puis c'était un café sucré, là, on s'entend. Fait que finalement, j'ai été capable de tout couper ça aussi. Puis je remplace ça par d'autres choses. Puis le shake, moi, je trouve que ça fait vraiment une bonne différence. Puis je mets le cocoa en plus. Fait que là, ça vient comme compenser pour le café sucré aussi. Ça satisfait la gourmandise qu'on a. Oui. C'est vraiment inimaginable tout ce qu'on apprend dans les lives, oui. Puis tu sais, Michel, je le voyais, le chef, je le voyais à notre événement mercredi cette semaine. Puis il avait préparé plein de gourmandises, puis parce qu'il dit Jacinthe est gourmande. Je suis pas, tu sais, j'aime la salade, j'aime la fontaine de jouvence, mais je suis très gourmande. Je mange plus de sucre. Mais je suis une bébite à sucre, tu sais, mais je suis plus capable d'en prendre. Mais je déjeunais moi avec de la tarte au sucre, je vous l'ai déjà dit, puis pas juste une pointe, tu sais, je pouvais manger, passer une pointe, des fois je dépassais même, tu sais. Donc je suis pas née comme ça. Mais la gourmandise, on la trouve. Et quand on se prend, par exemple, des protéines avec des bons gras et du cacao, tu sais, qui est super entier, c'est incroyable comment on se sent bien puis comment que ça change nos vies, oui. Moi, je mets le beurre d'amande dedans. Fait que, tu sais, ça soutient encore plus. Vraiment. Puis, je suis capable de me rendre facilement au dîner. Puis même, je sens pas la faim quand j'arrive au dîner. Puis là, j'ai commencé à me faire moi-même des salades. Bravo. J'ai un jardin chez nous, fait que, tu sais, je suis capable d'aller chercher quand même mes légumes. Ce que je peux pas chercher, ben, on a un petit marché public pendant l'été, fait que je peux aller chercher d'autres légumes plus frais aussi. C'est plus l'hiver, là, que c'est difficile de trouver. Ouais. On peut faire des pots pour se, tu sais, pas dans la maison pour aller chercher cette vitalité-là, là. Oui, on est d'accord, tu sais, puis on le remarque quand on coupe le sucre, on remarque le lien entre le sucre, le mal de tête, la fatigue qui nous pèse après, là, tu sais, Marie-Hélène dit « Coucou José, je suis conseillère à Sainte-Thérèse, mes parents sont à la Sarre, il me fera plaisir de… » Ah oui, on s'est déjà parlé quand j'étais passée en maison. Elle s'en allait voir ses parents, justement, en vacances, pas longtemps après. Bon, mais tu pourras, parce qu'elle dit ça va me faire plaisir d'apporter les achats. Donc, Bon, ben, je vais passer le 4 août. Mon garçon, il y a des matchs de soccer dans le coin de Montréal. Fait que on va aller faire un petit tour à Sainte-Thérèse. Oh, merveilleux. Et Fernand Lins de soccer, ça, c'est une autre chose aussi. Ils ont un beau petit kit tout blanc. Fait que je prends le percarbonate de soude avec le savon détachant. Je fais tremper ça. Puis le beau petit kit, il revient tout beau. Et tu le trempes quelques heures seulement ou la nuit? Je le laisse tremper toute la nuit pour être sûr là, que ça part tout. Puis le lendemain, ben là, je prends mon savon détachant, puis là, je le frotte partout, là, je le remets dans ma chaudière, puis ensuite, là, je le passe dans ma laveuse, puis je remets du percarbonate de soude. La percarbonate, ouais. C'est fantastique. Fantastique, c'est un cadeau. et je suis contente, Nadine a fait a passé le message pour Chicoutimi, pour la maison Chicoutimi, je l'aime ma maison. Nous aussi, on l'aime. Ça nous ferait, tu sais, ça nous ferait de la peine, Sylvain et moi, mais s'il n'y a pas de CV qui rentre, là, dans les prochains jours, on peut pas, tu sais, on peut pas garder une maison fermée, puis on peut pas rien inventer. On n'a pas de robots qui peuvent aller ouvrir la porte, tu sais. Donc, José est de l'Abitibi, Linda. Donc, voilà. C'est la question. Ah, on n'a pas de maison en Abitibi, mais on comprend ça quand même. Parce que ça ne serait pas facile pour vous autres non plus de gérer ça. Parce que, dans le fond, on est comme des villes qui sont toutes à une heure de route chaque. On ferait des jaloux s'il y en aurait une dans une ville. Mais on s'arrange bien quand même. On réussit. Ça devient, plus on s'éloigne, plus les villes, tu sais, on le vit. Là. C'est pour nous, c'est triste, là, Chicoutimi. Oui. De miracles, tu sais. Puis pourtant, il y a du monde à Chicoutimi, là, tu sais. À suivre. Mais oui, on aurait aimé ça être partout. Je sais, il y a de la demande en Abitibi et tout ça. Chicoutimi ne ferme pas.
Mais s'il n'y a pas de CV qui rentre pour les prochaines semaines, on va être obligé de fermer les portes pendant les vacances. Puis ça, c'est pas de bon augure pour la suite non plus, là, t'sais. Parce qu'il y a des vacances, qui reviennent. Il n'y a pas juste l'été, là. Donc, José, ça nous prend, passez le mot. Si vous avez de la famille, si vous avez des amis, si vous avez un cercle, écrivez. On cherche une conseillère pour une ou des conseillères à temps partiel. Si vous êtes à la retraite et que vous voulez venir travailler quelques jours par semaine, on affichera l'horaire, mais on ne peut pas faire des miracles. Donc, passez le mot. Et c'est le temps aujourd'hui. Demain, on attend un CV. Je l'ai su hier soir. Donc, voilà. Pour la France, c'est Je vais demander ma retraite, j'irai. Ah, c'est gentil. En fait, ça fait une belle job de retraite, je trouve. Moi aussi. Parce qu'on est bien tout là. Tu sais, c'est comme dans toutes nos maisons, mais cette maison, c'est un palais. Tu sais, moi, je voudrais rester là. Tu sais, c'est tellement. C'est comme vivre dans un film, là, tu sais, d'être là, sur place. Donc, C'est oui. calme quand on rentre, c'est comme ça sent bon, c'est une belle atmosphère. Vraiment, vraiment. Enfin, on se fait un petit match-up, on est là, on attend notre beau monde. Puis, J'ai toujours été très bien servie dans les maisons. Moi, je vois plus à Sainte-Thérèse. La première fois que j'étais allée, c'était à Montréal. Ça doit pas être Saint-Bruno. C'est Saint-Bruno. Je suis pas sûre, je suis pas trop bonne là-dedans. Là. Mais bref, moi, j'étais arrivée là, puis j'ai dit, j'ai voulu, là, je veux de l'Abitibi. Puis j'ai dit, je veux sentir vos produits. Puis la madame, je me souviens plus de son nom, là, mais elle m'avait fait sentir, là, puis j'avais pris le temps de pouvoir voir c'était quoi vraiment. Puis après ça, ben, ça m'a redonné un autre petit conseil là, pour pouvoir savoir quoi commander après. Là. Et j'aimerais juste ça que tu dises un mot pour les personnes qui sont à distance puis qui ne sentent pas nos produits. Qu'est-ce que tu leur dirais, tu sais, qu'ils ne peuvent pas sentir? J'ai jamais été déçue. Quand j'ai commandé quelque chose, c'est même là, c'est plus une question que je me pose. Quand je commande quelque chose, je sais que ça va sentir bon. Nos huiles sont extraordinaires. Chantal renchérit pour Chicoutimi qu'on n'a pas, effectivement, on n'a pas d'objectif. De vente, là, t'sais, on n'a pas de pression, on n'a jamais fonctionné à pression, puis on fonctionne pas comme ça. Même que souvent, les clientes arrivent, puis avec du monde, t'sais, comme toi, t'as introduit notre univers à Sandra, c'est Sophie qui t'a introduit notre univers. Souvent, vos amis vont vous dire par quoi commencer, t'sais, donc c'est Oui. assez. On n'est pas gêné de parler des produits, là. T'sais, moi, mon père, j'ai parlé du collagène. Je l'ai laissé aller avec ça. Puis un moment donné, c'est lui qui est revenu vers moi. Puis il dit, hey, tu sais, le produit que tu m'as parlé l'autre fois, là, ben, il dit, j'aimerais ça que tu m'en commandes un. Fait que ça a commencé comme ça. Fait que là, mon père, il prend le collagène. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, lui, il avait mal des hanches. Il s'est fait opérer pour les hanches. Puis c'était l'arthrose là, qui s'était mis un peu là-dedans. Puis il n'était plus capable de prendre ses marches. Puis là, il était capable de recommencer à prendre ses marches. C'est merveilleux. C'est Mmh. merveilleux. C'est fantastique. Mmh. Et Fait que je suis Maria. pas gênée d'en parler des produits. Puis tu Ben sais, non. ça fait toujours son petit bout de chemin. Puis tu sais, des fois, c'est ça. Tu sais, comme le beurre de sapin caramel, je l'avais senti la première fois que j'étais allée à la maison. Puis écoute, là, ça sentait tellement bon. Mais là, j'étais repartie avec d'autres produits. Fait que là, puis là, j'étais dans l'auto, puis j'arrêtais pas de me sentir. Puis là, je regrettais de pas l'avoir acheté. Mais tu sais, ça a fait son petit bout de chemin. Après ça, j'ai repassé une commande un petit peu plus tard. Puis j'ai acheté le beurre de sapin caramel. Et tu es très sympathique et les gens te remercient. Et merci pour l'Exfo Pure, en spécial pour la journée. Vous ne vous trompez pas, le parfum naturel d'Exfo Pure sent le spa, c'est très agréable. Tout le monde aime l'Exfo Pure et c'est vraiment un des incontournables chez Maison Jacinthe, vraiment. Vous arrivez à tout faire avec l'Exfo Pure. Donc voilà. Merci José, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. On se voit à la foire. Sûrement, à moins qu'il m'arrivera un pépin, là, mais mes billets seront pris. Merveilleux. Et une belle journée, merci pour ce matin et bonne journée. Merci, toi aussi. Au revoir.